Salut les sucrés, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on voit un dessert très simple, mais tout aussi bon. Ça va nous sortir des desserts copieux qu'on a l'habitude de manger en hiver. On voit tout ça ensemble. C'est parti! Sur ce dessert, on va surtout travailler la perle de Japon avec le lait de coco, qu'on va décliner en deux recettes. Une première qui sera autour des fruits exotiques et une deuxième qui sera un peu plus traditionnelle avec de la banane et de la cacahuète. On prépare stylo et papier. C'est parti! Pour nos perles de Japon au lait de coco, on a besoin de billes de tapioca, de lait de coco, de sucre, de jus de citron et de vanille. Pour la première version, on va se faire une compotée mangue papaye. Donc on a besoin de mangue, de sucre, de cubes de papaye et de citron vert. Et pour la deuxième recette, on va utiliser des bananes, du sucre semoule, du beurre et pour décorer, des cacahuètes. Tous nos éléments sont prêts pour réaliser les deux recettes. Notre dessert est maintenant fini. J'espère que vous avez aimé les deux déclinaisons. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à une fois prochaine pour une nouvelle recette.